Discrète sur sa vie privée et rarement dans les médias, la femme de Michel Sardou s'est retrouvée sur Instagram il y a quelques jours. En effet, Jean-Marie Perrier, son frère et célèbre photographe, a dévoilé un cliché d'Anne-Marie Perrier sur son compte. La journaliste est aux côtés de Patrick Modiano à l'occasion d'une cérémonie en hommage à leur arrière-grand-mère, l'actrice Réjeanne, ma sœur Anne-Marie, en compagnie de Patrick Modiano. Samedi soir, invité par Philippe Normand, le responsable du musée des Franciscaines de Deauville, et en présence de Béatrice et Philippe Augier, maire de la ville, nous avons fêté notre arrière-grand-mère, la grande actrice Réjeanne. Jean-Marie Perrier évoque alors l'hommage qu'il a rendu avec sa sœur, Anne-Marie, et moi nous avons confié les différentes photos, lettres et autres objets appartenant à notre aïeul, pensant qu'il est préférable de les partager avec les visiteurs de ce magnifique musée plutôt que de les garder pour nous sans y prêter peut-être l'attention méritée. Mais Michel Sardou paraît être le grand absent de cette cérémonie, puisqu'il n'est présent sur aucune photo. Les tendres déclarations d'amour de Michel Sardou à Anne-Marie Perrier, ce n'est pas vraiment une surprise puisque depuis de nombreuses années, Michel Sardou et Anne-Marie Perrier ne s'affichent plus ensemble. Cela n'empêche pas le chanteur de faire de belles déclarations d'amour à celle qui partage sa vie et sans qui, il ne pourrait vivre, il me manquerait l'essentiel. Il me manquerait ce qui me donne envie d'avancer, ce qui me stimule, qui me calme, qui me dit la vérité. Elle n'est pas flatteuse pour un sou. J'en ai besoin, avait-il expliqué sur le plateau de Quotidien. Elle s'occupe de tout. Elle gère tout. Elle s'occupe très bien de moi, avait-il avancé, expliquant qu'elle avait un avantage sur beaucoup de femmes d'artistes, si est qu'elle connaît les angoisses, les peurs, les remises en question des artistes. Le caractère un peu stressé que nous avons tous.